Salut tout le monde, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la 13e quête pour le Dofus Emerald. Donc encore une fois, on se retrouve sur l'île de Pandala. Par contre je vais baisser un petit peu le son parce que ça va un peu fort, voilà c'est beaucoup mieux. Donc aujourd'hui la 13e quête, il s'agit de la quête qui s'appelle Légende Lenald. Donc qui se lance quand vous terminez donc la 12e quête, donc Pandala son air pur, vous arrivez ici devant Ronald le Sage. Et quand vous lui reparlez, ben, il vous lance la prochaine quête. Donc ici, Légende Lenald, il faut aller voir le capitaine Banwana. On va regarder où il se trouve. Il se trouve ici, il y a un bateau pour le port de Madrestam. Donc on va aller prendre le zap, ça ira beaucoup plus vite. Pandala. Voilà. Alors, on va aller par la gauche. Il me semble que c'est la dernière quête sur le continent de Pandala. Je dis peut-être des conneries. Alors, payer. Quête légende Lenald. Allez voir Lily. Où elle est, Lily? Je crois qu'elle est au Can. Ah, elle est à Madrestam. Donc on va payer et embarquer, comme ça on va se retrouver à Madrestam, c'est juste à gauche, voilà. Par contre, on devra, si on doit retourner après, bon, on ne saura pas y aller. Voilà. Découvrir la carte statue de Félité. Donc faut aller sur l'île Wabit, il me semble. Oui, c'est là-bas au-dessus. Allez, on avance, on aura dépensé quelques petits kamas histoire de bouger là en quelques temps, mais c'est pas grave. Voilà la légende Lenald. Je parlais du sage, en savoir plus sur la rumeur, continuez à écouter, l'encourager, écouter la suite. Partir pour le temple de votre dieu. Donc moi je dois aller voir Gilberetta, qui se trouve au temple Roublard. Donc ça, à mon avis, ça change par rapport à chaque classe. Je vais aller par ici. On va aller prendre le raccourci. Attendez, c'est jusqu'au boulanger, puis après tout à droite. Par contre, je vais ouvrir un petit cookie. Voilà. Allez, on avance. Voilà, maintenant on doit descendre tout droit. Allez, plus qu'une case, puis on va rentrer dans le puits. Voilà. On va parler à Badaboum. Se rendre au temple Roublard. Voilà, on monte. C'est pas ici. C'est ici, Gilberetta. Alors, on est la quête. Vaincre un Doppel maléfique en un seul combat. Donc, à mon avis, je dois vaincre mon Doppel. On va le faire, hein. C'est pas compliqué le Roublard, heureusement. Ah ouais, c'est ça, le Doppel maléfique. Ça va. On a deux plus compliqués. Alors, où est le Wali El Colom? Alors, il est à Amakna. On va reprendre le bateau, ça ira aussi vite. En tout cas, je suis content, la série avance pas mal. J'espère qu'on l'aura bientôt, comment, le Dofus Emerald. Même si, à mon avis, les grosses quêtes pour le faire vont durer vachement plus longtemps, j'ai l'impression. Déjà, dès la prochaine quête, il me semble que ça va déjà être beaucoup plus long. Déjà, celle-ci est beaucoup plus rap moins rapide, pardon,
que celle qu'on avait fait avant. Mais c'est pas grave. Aristote, à mon avis, il faut aller là-dedans. Non, c'est pas ici. Est-ce que c'est ici? Voilà, Wally El Colom. Envoyer une carte. Demander s'il y est allé prendre le livre. Alors, on a obtenu un livre. On doit aller voir Lornfus le Troy. Qui est où, lui? Il est ici. Donc, on va prendre le zap de la forêt maléfique. Forêt maléfique, voilà. Moi, c'est bien, on voyage un petit peu. On redécouvre des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah, quête terminée de la légende Lonald. Ça, c'est bien. Donc, voilà. On a terminé la vidéo pour aujourd'hui. Enfin, pas pour aujourd'hui, mais cette quête ici. Donc, je vais couper la vidéo et on va essayer de faire directement la 14e quête. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis.